Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, bonjour et bienvenue à tous en ce premier dimanche de Pâques, plutôt le deuxième après Pâques, c'est le dimanche de la miséricorde, grande fête instituée par Jean-Paul II, je vous le rappelle. Nous nous retrouvons donc en direct depuis Rome, depuis la place Saint-Pierre pour être plus précise, pour suivre la prière du Regina Coeli, comme vous le savez, durant ce temps pascal. L'Angélus donc est remplacé par cette belle antienne mariale du Regina Coeli. En direct donc Manuela Fiji, je salue tous nos auditeurs qui nous écoutent via nos radios partenaires ou qui nous suivent en images depuis notre site vaticannews.va ou depuis la chaîne YouTube de Vatican News en français. Il est très exactement 11h58 ici à Rome. D'ici 1 minute 30 à peu près, le pape François va faire son apparition depuis les fenêtres des appartements pontificaux pour donc nous livrer sa petite catéchèse de l'évangile de ce jour. Évangile donc, comme vous le savez, de Jésus ressuscité qui apparaît aux disciples, d'abord en deux temps, le soir de Pâques, il leur montre ses mains et son côté, il leur dit: La paix soit avec vous. Un disciple n'est pas là, c'est saint Thomas. Et lorsque ses amis, les apôtres lui racontent qu'ils ont vu le Christ ressuscité, eh bien saint Thomas n'y croit pas. Une semaine après, Jésus revient là où étaient les disciples et Thomas se trouve là. Approche, mets ton doigt dans mes plaies, notamment dans celle du côté, ce que fait Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, ce magnifique cri de foi qui jaillit donc des lèvres de saint Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, lui répond le Christ ressuscité. En ce jour du dimanche de la Miséricorde, nous souhaitons aussi une très belle fête de Pâques à tous nos frères chrétiens qui suivent le calendrier julien, donc les orthodoxes, les chrétiens orientaux, qui donc célèbrent la résurrection du Christ à leur tour aujourd'hui. Il est midi, le pape François se montre enfin, salue la foule. Assez nombreuses quand même sur la place Saint-Pierre, malgré les nuages menaçants qui s'amoncellent Cari au-dessus de la fratelli e place. sorelle, Chers frères et sœurs, buongiorno. bonjour. Il Vangelo di oggi narra che il L'évangile giorno di d'aujourd'hui Pasqua nous raconte que le jour de Gesù Pâques, appare ai suoi discepoli Jésus nel apparaît à ses cenacolo, disciples au cénacle, alla sera, le soir, portando tre doni, apportant trois dons: la pace, la paix, la gioia la joie e la missione apostolica. et la mission apostolique. Le prime parole che egli dice sono Les premiers mots pace qu'il a dit voi. sont: La paix soit avec vous. Il risorto reca l'autentica Le pace, ressuscité apporte une paix perché mediante il authentique, suo sacrificio sulla parce que croce par son ha sacrifice sur la croix, realizzato la il a réalisé la riconciliazione tra réconciliation Dio entre e Dieu et l'umanità l'humanité. e ha vinto Il il a peccato vaincu e le la morte. péché Questa et è la la mort. pace. I suoi discepoli Ses disciples per primi avevano furent les bisogno di premiers à avoir questa besoin de pace. cette paix. Perché dopo la cattura e la condanna Car alla après morte del l'arrestation du maestro maître et sa erano condannation à mort, piombati ils étaient nello plongés dans la smarrimento e confusion nella paura. et la peur. E Gesù si presenta Et vivo Jésus se présente mezzo a vivant loro parmi eux, e mostrando le et sue montrant ses piaghe. blessures dans son corps Gesù glorieux, ha voluto conservare le sue qu'il a piaghe. voulu garder, il a voulu garder Mostrando ses le plaies. sue piaghe nel corpo glorioso, Et en dona les la montrant, pace il leur montre, il come leur frutto donne della la sua paix comme le vittoria. fruit de sa victoire. Ma quella sera Mais ce non soir-là, era presente l'apôtre l'apostolo Thomas n'était Tommaso. pas présent. Informato di questo straordinario avvenimento, Informé de cet événement egli, extraordinaire, incredulo incrédule dinanzi devant alla le témoignage des testimonianza autres degli apôtres, altri apostoli, pretende il di prétend vérifier verificare en di personne persona la s'ils verità di disent la quanto essi vérité. affermano. 8 giorni dopo, 8 jours plus tard, cioè proprio come oggi, c'est-à-dire précisément si ripete aujourd'hui, l'apparizione. l'apparition se Gesù répète. viene incontro Jésus vient à la all'incredulità di rencontre de Tommaso, l'incrédulité de Thomas, invitandolo a toccare le l'invitant sue à toucher piaghe. ses plaies. Esse Elles costituiscono la constituent la fonte della source de la pace paix, perché sono il car elles segno sont le signe dell'amore de immenso l'immense di amour de Gesù Jésus, che ha qui a vaincu les sconfitto le forces forze hostiles à ostili l'homme, all'uomo, il peccato, la c'est-à-dire le morte. péché,
le mal et la mort. C'est un enseignement pour nous. Comme si Jésus nous disait à nous tous, mais si tu n'es pas en paix, touche mes plaies. Toucher les plaies de Jésus. Les plaies de Jésus qui sont dans tant de problèmes, de difficultés, persécutions, maladies, dans tant de personnes qui souffrent. Si tu n'es pas en paix, va. Va visiter quelqu'un qui est le symbole de la plaie de Jésus. Touche la plaie de Jésus. De ces plaies jaillit la miséricorde. Pour cela qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de la miséricorde. Un saint disait que le corps de Jésus crucifié est comme un sac de miséricorde qui, à travers les plaies de Jésus, nous parviennent à tous. Tous nous avons besoin de la miséricorde. Nous le savons. Approchons-nous de Jésus et touchons ses plaies dans nos frères qui souffrent. Les plaies de Jésus sont un trésor d'où sort la miséricorde. Soyons courageux et touchons les plaies de Jésus. Avec ces plaies, il est devant le Père. Il fait voir au Père, comme s'il disait au Père, « Voilà le prix. » Ces plaies sont ce que j'ai payé pour mes frères. Avec ces plaies, Jésus intercède devant le Père. Il nous donne la miséricorde à nous et il intercède pour nous. N'oubliez pas les plaies de Jésus. Le deuxième don que Jésus ressuscité apporte à ses disciples est la joie. L'évangéliste rapporte que les disciples se réjouissaient de voir le Seigneur. Il y a aussi un verset dans la version de Luc qui dit « Ils ne pouvaient pas croire à cause de la joie. Enfin, » De joie, ils ne pouvaient y croire. C'est ça, c'est la traduction. À nous aussi, ça nous arrive. De joie, ils ne pouvaient pas croire. Ça peut nous arriver aussi. Si tu es triste, si tu n'es pas en paix, regarde Jésus crucifié et ressuscité. Regarde ses plaies. Et puis, outre la paix et la joie, outre la paix et la joie, Jésus apporte le don de la mission. Il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La résurrection de Jésus est le début d'un nouveau dynamisme d'amour, capable de transformer le monde par la puissance de l'Esprit. En ce deuxième dimanche de Pâques, nous sommes invités à nous approcher du Christ avec foi, en ouvrant nos cœurs à la paix, à la joie et à la mission. N'oublions pas les plaies de Jésus. C'est de là que sort la paix, la joie et la force pour la mission. Confions tout cela à la Vierge Marie, à son intercession maternelle, reine du ciel et de la terre. Maintenant, c'est la prière de Regina Celi. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus, vere, alleluia. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam doneis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Es os nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Le pape vient de donner sa bénédiction après la prière de Regina Celi. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, hier, à La Rioja, en Argentine, sono stati proclamati beati Enrique l'évêque Enrique Angel Angelelli, Carlos de Dios Murias, franciscain, Gabriel Longueville, prêtre Fidei Donum, et Venceslao Pedernera, catéchiste, ont été proclamés bienheureux. Ces martyrs de la foi ont été persécutés à cause de la justice et de leur charité évangélique. Leur exemple et leur intercession devraient soutenir en particulier ceux qui travaillent pour une société plus juste et solidaire. Un d'eux était français. Il est allé en mission en Argentine. Et les trois autres étaient argentins. Applaudissons les nouveaux bienheureux. Le pape qui fait applaudir donc ces quatre martyrs tués en haine de la foi en Argentine, dont un prêtre français, le père Longueville, qui ont été béatifiés hier. Je vous invite à vous joindre à moi et prier pour les réfugiés qui se trouvent dans les centres de détention en Libye, dont la situation déjà très grave est rendue encore plus dangereuse par le conflit actuel. Je lance un appel afin que tout spécialement les femmes, les enfants et les malades soient évacués dès que possible par des couloirs humanitaires. Nous prions également pour ceux qui ont perdu la vie ou qui ont subi de graves dommages à la suite des récentes inondations en Afrique du Sud, afin qu'à ces frères aussi puissent être apportés notre solidarité et le soutien concret de la communauté internationale. Je vous salue tous, fidèles romains, pèlerins venus d'Italie et de nombreux pays. En particulier, les fidèles de Tlaneplanta, Mexique. Les jeunes de Valence. Les étudiants de Tricase. Les adolescents d'Alcore et ceux de Carugo. Les fidèles de Modugno et de Gênes. J'adresse un salut spécial au pèlerinage diocésain des familles de l'archidiocèse de Trani Barletta Bichelier, ainsi qu'aux fidèles réunis aujourd'hui dans l'église Santo Spirito in Sassia, qui est située tout près du Vatican, consacrée au culte de la Divine Miséricorde. À nos frères et sœurs des églises orientales, qui aujourd'hui, selon le calendrier julien, célèbrent la Sainte Pâque, j'adresse mes salutations cordiales. Que le Seigneur ressuscité leur donne la joie et la paix. Et aussi un applaudissement pour tous les catholiques de rites orientaux, mais surtout les orthodoxes qui fêtent aujourd'hui la Sainte Pâque. Enfin, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé ces jours-ci leurs bons vœux de Pâque. Je vous retourne ces vœux de bon cœur en souhaitant le meilleur à chacune de vos familles. Bon dimanche
à tous et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Le pape souriant salue la foule des pèlerins et fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre. Après avoir donc prié le Regina Caeli durant ce temps pascal, c'est la fin de cette retransmission en direct depuis la place Saint-Pierre. Je remercie tous nos auditeurs, tous ceux qui nous ont suivis via nos radios partenaires ou notre site vaticannews.va. À tous, à mon tour, je vous souhaite un très beau dimanche de la miséricorde, un bon temps pascal et une sainte Pâque à tous nos frères catholiques orientaux et orthodoxes. Laudetur Jesus Christus.